Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, je me serais laissé dire, je ne sais pas, qu'il y aurait la possibilité éventuelle, de l'éventualité possible, d'une hypothétique changement d'organisation quasi certain. Mais on n'en parle pas. C'est pas les cons, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Personne ne le sait. On ne sait même pas si je le sais, d'ailleurs. On ne sait pas. Hein. Personne ne le sait, mais tout le monde est au courant. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis, n'écoutez pas. Hein. Je ne sais pas, en fait, mais il y aurait des histoires de régions. Bon, vous savez, avant, il y avait 8 régions, maintenant, il y en a 4. Depuis 2005, je crois. Par exemple, vous avez Lille qui est avec Nancy. Enfin, les Lorrains sont contents. Et leur disent aussi. Bon. Quand ils ont perdu ou oublié leur veste, ça fait du temps. Hein. Je crois qu'il y aurait Marseille dans la région qui est avec Brest. Il y a pas une région comme ça. Nous, avec Lyon, c'était des méga régions. Tu prends la France, paf, paf, tu as compris. Il serait vaguement question, mais si j'ai compris, quand je pense que je me trompe, qu'il n'y en ait plus qu'une. Qu'une région, on la simplifie. La France serait de nouveau la France. Inter, uni, puissant. La France libérée des régions. Une France gaulienne. Hein? Et là, enfin, Marseille pourrait être dans la même région que Dunkerque. Enfin. Hein? Ah, est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça changerait? Bon, une seule région. Bon, d'abord, au lieu de se présenter Monsieur région de Villefranche de Rouergue, hein, on dirait bon, c'est plus cool. Bon. Ensuite, les régions, hein, qui étaient des régions entre elles, des sortes de grosses PME, avec des secteurs, hein, avec 10 personnes, peinards et secteurs, peinards. Un chef super sympa, on fait son petit truc, on fait tous ses petits machins sans aucun problème, hein. Voilà, hein. On est cool, hein. Et ben là, on serait animé par une instance nationale. Le métier. Régulièrement, il y aurait la bande de potes sur le terrain, hein. Elle verrait le métier. Qui lui dirait, arrête de faire des conneries. Fais comme on t'a dit. Ça va pas changer grand-chose.